Salut les enfants, c'est Ben, votre prof de Kung Fu préféré. Aujourd'hui, on fait un petit cours sur les coups de pied sautés. On va avoir deux coups de pied sautés du dragon. On a vu un petit peu cette année. Et les coups de pied tourbillon, qui est un petit peu plus dur à faire. Là, on va s'échauffer un petit peu en faisant des marches. Marche en canard, saut de lapin, des petits sauts sur place. Vous pouvez le faire chez vous dans votre salon, mais en fait attention de rien casser. Sinon, le mieux c'est quand même de le faire dehors et d'avoir au moins 5 mètres devant soi. Vous pouvez se mettre deux petites pierres si vous êtes dans votre jardin avec un. Voilà, juste pour faire une ligne et avoir un tracé pour pouvoir avancer. Allez, suivez-moi! On démarre saut de lapin. 1 minute, c'est parti. On continue avec marche en canard. Continue avec des petits montées de genoux. Avance pas vite. On continue avec des petits sauts extension. Pour les mollets. Saute sur place. On continue avec jumping jack. Maintenant avec des petits sauts groupés, on court légèrement et dès qu'on peut, on lève les deux pieds en même temps. On en fait 10 comme ça. Attention. On en fait 10 comme ça. Attention. On
10 comme ça. Attention. On en fait 10 comme ça. Attention. On en fait 10 comme ça. Attention. On en fait 10 comme ça. Attention. Maintenant la même chose mais avec un seul genou, on prend la meilleure jambe. Moi je suis droitier, c'est que ma jambe droite qui va se lever, que le genou très haut. Alors, et là je me suis mis maintenant une petite cible pour essayer de faire mon coup de pied. Le coup de pied sauté du dragon, il y a une manière facile et puis une manière dure de le faire. On avait fait la manière dure en club. Maintenant, on va faire la manière plutôt facile. La manière facile, on va venir lever uniquement la jambe en essayant de toucher. Je sais pas si vous voyez, mais je me suis mis une petite cible. Est-ce qu'on la voit sur ma caméra? On la voit ou pas? On la voit un peu. Je vais essayer de sauter en levant une seule jambe. J'lève ma jambe très haut et j'essaie de décoller l'autre pied. Si on touche, c'est bien, si on touche pas, c'est pas grave. Moi, je vais le faire au début sans toucher pour ne pas devoir le remettre tout le temps. Vous avez vu, pousser sur une jambe, lever très haut la jambe droite et on pousse sur l'autre pied. Quand je le fais, je vais tourner un petit peu. Quand je lève ma jambe, je vais me mettre sur le côté. Vous voyez mon dos. Vous devez voir mon dos à chaque fois. Je lève ma jambe et je pose sur le côté. Mon pied, quand il touche mon coussin, il ne doit pas être la pointe de pied en haut, il doit être sur le côté. On doit tourner. Faites avec moi, si vous n'avez pas de cible, on peut le faire sur place, c'est pas grave. 10 fois, c'est parti, attention. Et maintenant le but du jeu, ça va être de lever une jambe, tourner, et au moment où je tourne, je lève l'autre jambe, pour vraiment faire un coup de pied sauté, et avoir vraiment une jambe tendue, puis l'autre jambe pliée au maximum. Je le fais doucement pour vous montrer.
Attention, là, c'est pas facile à faire parce qu'on fait sans courir. Normalement, c'est un coup de pied qui se fait en courant. Ça donne un truc comme ça. Allez à vous. 10 fois, on essaie de le faire ensemble. Deuxième coup de pied sauté, le coup de pied, alors coup de pied tornade ça s'appelle, coup de pied hélicoptère on peut aussi l'appeler. Ce qu'il faut, c'est sauter en l'air comme j'ai fait tout à l'heure avec le dernier coup de pied, mais tourner sur la gauche. On va faire pour ça un petit exercice, l'e-retoué, que vous connaissez déjà, qu'on a déjà fait en club et qu'on va refaire. On est ici, on lève la jambe droite, on essaie de venir toucher la main gauche. Tourner, c'est pas toucher. Je lève, je touche le côté du pied. Je tourne un peu la tête. On essaie de faire un peu plus haut. 10 fois. On essaie de rester tout droit, de ne pas se courber. C'est parti. 1. 2. Ce que je dis moi. San. Se. Wo. Lio. Shi. Fa. Lio. Che. Maintenant la même chose, on va le faire une seule fois, mais on essaye de reposer la jambe le plus tard possible, comme si on voulait toujours tourner. Maintenant, ce que je veux voir, moi, c'est ça, mais en sautant. Donc pour ça, on va faire deux petits pas. On va lever la jambe pour taper dans la main et tourner le plus de fois possible. Donc là, on est attention. Ma jambe droite, je la mets devant moi. C'est la jambe qui va faire le coup de pied. Je vais faire un pas avec la jambe gauche. Et là, je vais sauter. J'essaie de rester le plus longtemps possible en l'air. Il faut lever la jambe vraiment le plus haut possible. Attention de ne pas glisser. Je me gratte devant. Un pas, je lève très haut. Et je tourne. Quand vous tournez plus, on ramène la jambe comme on a vu sur la vidéo sur les prises d'élan. Si on veut faire le vrai coup de pied normalement, il faut bien garder la jambe tendue tout le temps, mais c'est un peu dur de tourner beaucoup. Normalement, coup de pied tornade, on laisse la jambe tendue. Ensemble 10 fois, c'est parti. Jambe droite devant.
Et pour terminer, votre plus beau grand écart, allez, épatez-moi. C'est parti. J'espère que ça va être, que vous n'avez pas cassé trop de vases dans l'appartement ou dans la maison. À bientôt, bye bye.